à toutes et à tous, chers internautes, bienvenue sur Bonhomme TV. Aujourd'hui, la communauté chrétienne célèbre en général le mystère de la Sainte Trinité. Cette célébration a encore une connotation particulière au sein de la très sainte Église de Jésus-Christ, mission de Bonhomme. C'est à ce juste titre que cette solennité sera célébrée tout à l'heure par l'éminence Jean, cardinal Viatone. Nous vous invitons alors à un moment de recueillement et de méditation. Bonne fête à toutes et à tous. Au nom de Dagbo, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. La grâce de Dagbo, Dieu le Père, en communion avec l'amour de son bien-aimé Fils Jésus-Christ, soit toujours avec vous. Et avec vous aussi. Nous sommes rassemblés au nom de Dagbo aujourd'hui pour fêter, pour célébrer le mystère des mystères. Nous fêtons aujourd'hui la solennité de la très sainte Trinité. C'est le mystère duquel procèdent tous les autres mystères de la vie chrétienne. Nous venons rendre grâce à Dieu aujourd'hui pour la vie donnée, pour la vie reçue, pour nous avoir compté parmi ses fidèles, pour nous avoir compté parmi ses enfants. Nous n'avons pas toujours été dignes de cet amour. Notre réponse n'a pas toujours été adéquate à l'amour divin. Reconnaissons nos pécheurs. Donc, frères et sœurs, et demandons pardon. Je confesse à Dagbo, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et devant son bien-aimé Fils Jésus-Christ, notre Seigneur,
Je reconnais devant toute la cour céleste et devant vous, mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je le confesse, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, toute la cour céleste et vous aussi, mes frères, d'intercéder pour moi auprès de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ainsi qu'auprès de Dago, Dieu notre Père. Que Dago, Dieu Tout-Puissant, daigne nous faire miséricorde, nous pardonner nos péchés, ceux de nos aïeux, de nos progénitures, et nous conduire à la vie éternelle. Seigneur, Dago, Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant ton éternelle gloire, en adorant que toi, Dago, le Tout-Puissant. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, qui est Père, Fils et Esprit Saint, maintenant et pour les siècles sans fin.
Première lecture. Lecture du livre de l'Exode aux Dagovies, chapitre 34, les versets 4 à 6 et 8 à 9. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï comme Dagbo, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le lui avait ordonné. Il emportait les deux tables de pierre. Le Seigneur proclama lui-même son nom qui est Dagbo, le Seigneur Dieu. Il passa devant Moïse et proclama « le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité jusqu'à la millième génération, supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. » Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit, « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. » Parole de Dagbo, Dieu Tout-Puissant. La deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Dagovies, chapitre 13, les versets 11 à 13. Frères Dagovies, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et Dagbo, le Dieu d'amour et de paix, sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce de Dagbo, Dieu le Père, en communion avec l'amour de son Fils bien-aimé Jésus-Christ, soit toujours avec vous. Parole de Dagbo, Dieu Tout-Puissant. Bye.
Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean au Dagobi. Chapitre 3, les versets 16 à 18. En ce temps-là, notre Seigneur et Sauveur Fofo Jésus-Christ, frère jumeau du pape Christophe XVIII, disait à Nicodème, Dagbo a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dagbo a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dagbo. Acclamons la parole de Dagbo, Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs, rebonjour. Comme je le disais à l'entame de cette célébration, nous célébrons aujourd'hui la fête de la Trinité. La fête de la Trinité. C'est la fête de Dieu. La fête qui nous dit Dieu. La Trinité est ce concept qui a généré beaucoup de controverses dans l'Église. Ils en sont arrivés à trouver trois personnes en Dieu. Avec beaucoup de controverses, beaucoup de difficultés. Des gens qui professaient autrement cette idée de trois personnes en Dieu, à des moments, ont été tués. Mais qu'est-ce que c'est que la Trinité ? Dans l'histoire du salut, dans l'histoire de la relation de Dieu avec les hommes, depuis notre père dans la foi Abraham jusqu'à nous, c'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative de se révéler aux hommes. C'est Dieu qui s'est révélé à Abraham pour lui dire, quitte la maison de ton père et va dans cette ville que je t'indiquerai. C'est Dieu qui s'est révélé à Moïse. Je suis. C'est mon nom. Tu diras à mes fils en esclavage, en servitude en Égypte, je suis m'a envoyé vers vous. Il est Dieu dans un présent éternel. Donc, l'initiative de la rencontre de Dieu avec l'homme n'a jamais été du fait de l'homme. N'a jamais été du fait de l'homme. C'est Dieu lui-même qui prend l'initiative de se révéler aux hommes et de leur dire qui il est. Alors, comment
en est-on arrivé à catégoriser Dieu dans une idée pour dire qu'à partir de ce moment où nous décidons qu'il y a trois personnes en Dieu, la théologie est close. Ça veut dire que nous circonscrivons Dieu dans les sphères de notre intelligence humaine. Nous ne donnons plus la possibilité à Dieu de venir à nous, nous dire qui il est. Puisque nous disons que désormais nous te maîtrisons, Dieu, nous t'avons suffisamment maîtrisé, tu es un Dieu en trois personnes. C'est fini. Mais la théologie n'est pas close. Tant qu'il y aura des hommes sur la terre, l'histoire du salut ne peut pas être close. Tant que Dieu sera à l'œuvre dans sa création, l'histoire du salut ne peut pas être finie. Elle n'est pas close. Et justement, aujourd'hui, Dieu est dans la chair. Aussi invraisemblable que cela paraisse, Dieu, le Père de Jésus-Christ, est dans la chair. Il avait été annoncé. Mais personne ne savait comment est-ce qu'il viendrait, contrairement à son fils. Allez, à juste titre. Lorsqu'il avait annoncé par les prophètes que son fils viendrait, d'une jeune femme de la maison de David, les hommes l'attendaient. Et ils ont fait de lui ce qu'il a été à la croix. Heureuse croix qui nous a valu le salut. En venant maintenant, Dieu n'a pas prévenu les hommes. Il est venu. Et de la même manière que l'avènement de son fils dans l'humanité a été mystérieux, son avènement aussi est resté mystérieux. Parce que c'est une jeune fille. C'est de ce temple qu'il a conçu lui-même et qu'il a déposé à Benbereke. Parce que 200 km de plus de 200 km de Cotonou, eh bien, c'est ce temple qu'il a déposé dans cette brousse de Benbereke. C'est de ce temple qu'il se sert pour se manifester à ses enfants, pour manifester l'amour, la miséricorde et l'humilité qu'il est à ses enfants. Et c'est ce Dieu que nous appelons affectueusement Dagbo. C'est ce Dieu qui nous dit qui il est. C'est ce Dieu qui nous a dit: jamais au ciel il n'y a eu trois personnes en Dieu. Jamais au ciel il n'y a eu trois personnes en Dieu. En Dieu, il n'y a que deux personnes. Et nous célébrons aujourd'hui l'unité de ces personnes en Dieu. La Trinité pour nous, Dagbovi, la Trinité pour la très sainte Église de Jésus-Christ, descendue du ciel sur la très sainte colline de Gbonamé, c'est le mystère de Dagbo, Dieu Esprit-Saint, qui s'est fait un corps, duquel est sorti le Fils. Et lorsque ce Fils est sorti de ce corps, voyant celui duquel il est sorti, l'a appelé Dieu le Père Tout-Puissant. Donc, Dieu Esprit Saint et Dieu le Père, c'est une seule et même personne. Le Fils procède du Père. Donc, le Fils procède de l'Esprit Saint. Nous célébrons donc l'unité dans la fonction de trois.
mais de deux personnes. En trois réalités. Dans la fonction. C'est cette unité aujourd'hui que Dieu nous donne en exemple. C'est pour cette unité qu'il s'est battu. Pour cette unité, cette réunion de tous ses enfants auprès de lui, qu'il a envoyé son fils mourir pour nous sur la croix. C'est pour la réunion de ses fils et de ses enfants auprès de lui encore qu'il a pris chair en notre temps. Dieu est unité. Mais comment se fait-il qu'il y ait tant de haine, tant de division parmi les hommes? Comment est-ce qu'en terre chrétienne, il peut y avoir autant de mésententes? Comment est-ce que parmi les hommes qui disent et qui affirment qu'ils suivent Dieu, qu'ils sont la suite du Christ, qu'ils sont d'autres Christ pour le semblable, comment est-ce que parmi les enfants de Dieu, il peut y avoir autant de divisions? La désunion est contraire à l'idée même de Dieu, parce que Dieu est communauté. Dieu est communauté. Et cette communauté qui nous donne un exemple est notre référence. Toute notre vie. Nous devrions nous servir de cette grâce que Dago Dieu le Père nous donne aujourd'hui en son Fils Jésus-Christ pour revisiter notre parcours avec lui, notre parcours avec le ciel. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de grâce sans souffrance. Ce projet d'unité et de réunion des enfants ne peut se faire sans la souffrance. La souffrance est donc inhérente à tout parcours chrétien. Il y a des morts à soi que nous devons accepter pour vivre la chrétienté. Il y a des morts que nous devons accepter personnellement, individuellement et quotidiennement pour tendre vers la perfection, pour tendre vers ce Dieu qui nous appelle de nos ténèbres à son admirable lumière. Ce Dieu communauté nous a introduit en lui par le baptême. Désormais, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous sommes, disait Saint Paul, nous ne le maîtrisons pas encore clairement. Et donc, par la foi, nous croyons que nous sommes déjà au ciel. Dieu nous a fait l'assurance de nous réunir auprès de lui. Et toute la vie humaine, toute la vie chrétienne, est orientée vers ce but. Le but ultime de la vie chrétienne, c'est d'aller au ciel. C'est d'être dans cette communauté divine. C'est de faire corps avec les saints. Déjà sur la terre et plus encore au ciel. De cette église triomphante qui a triomphé des souffrances de la vie présente. De cette église souffrante pour laquelle nous implorons la miséricorde de Dieu. Et de cette église aujourd'hui constituée de nous qui sommes encore en pèlerinage sur la terre, eh bien, cette église en pèlerinage, en souffrance et triomphante, elle est une
en Dieu. Toute notre vie doit être orientée, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les croix que Dieu voudra bien nous mettre sur nos chemins, au-delà de ces souffrances, eh bien, nous sommes invités aujourd'hui encore, et plus que jamais, à nous unir au Christ sur la croix pour vivre avec lui définitivement au ciel. Puisse la Vierge Marie intercéder pour nous. Puisse les saints intercéder pour nous. Puisse notre maman du ciel, qui a su dire oui dans la foi, qui a su dire à Dieu, j'accepte de devenir ta servante sans calculer les souffrances qui pourraient découler de ce oui, eh bien, comme la Vierge Marie, qu'elle veuille bien nous donner cette grâce, qu'elle nous accompagne tout au long de notre vie pour vivre avec elle, en communion de tous les saints, dans la paix et dans l'unité pour une vie éternelle avec Dieu. La paix soit avec vous. Professons notre foi. Je crois en Dagbo, Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu de Dagbo lui-même et de la Vierge Marie, où il est devenu un homme et vrai Dieu. Il a souffert par les pharisiens ainsi que ses frères, et sous Ponce Pilate, il a été crucifié. Il est mort et a été enseveli. Est descendu au royaume des morts, d'où il est ressuscité, vrai Dieu, le troisième jour. Avant de monter près de Dagbo, Dieu notre Père, il a envoyé. Assis auprès de Dagbo, Dieu le Père Tout-Puissant, ce même Dagbo qui est d'abord revenu dans toute sa gloire, se manifester au petit reste d'Israël, selon sa promesse faite à Abraham et renouvelée à son fils à Galilée. D'auprès de lui, il renverra encore son fils, sujet des vivants qui ne l'ont pas reçu. C'est pourquoi moi, Dagbovi, je professe ma foi en Dagbo, Dieu notre Créateur, lui qui est Père, Fils et Esprit, qui a pris chair en parfaite son temple à Gwaname et en sa très sainte Église en restauration, la nouvelle Jérusalem descendue du ciel. Je crois en la fin du règne de Satan et à la fin de la persécution des vrais adorateurs de Dieu. Je crois en toute la cour céleste descendue avec Dagbo sur la terre, à la nouvelle vie après les jours de tribulation qui purifieront la terre, et à la vie éternelle promise par Dagbo, notre Père. Entraîné dans le mouvement d'amour qui unit Dagbo, qui est Père, Fils et Esprit, dans sa communauté divine, nous pouvons demander à Dagbo de veiller aux besoins de notre monde. Église, qu'aucun effort ne soit trop quant à notre participation à l'œuvre de restauration de l'Esprit Saint. Dagbo, nous crions vers toi. Dagbo, allez,
a tant aimé le monde. Supplions le Seigneur pour qu'à l'amour, nous puissions répondre par l'amour afin de rentrer dans le plan que Dagbo a pour chacun. Dagbo, nous t'en prions. À travers cet événement d'ordre planétaire qui défie nos sciences et nos technologies, l'humanité se remet en cause pour enfin faire asseoir une société plus juste basée sur l'essentiel. Dagbo, que nos prières parviennent jusqu'à toi. La jeunesse sur laquelle Dagbo compte, qu'elle soit véritablement sa cheville ouvrière de par sa foi, sa force et son engagement. Père, nous t'en prions. Dagbo, Dieu notre Père, toi qui as montré tout ton amour pour le monde en acceptant l'offrande de ton Fils unique, écoute nos demandes et daigne les exaucer par Jésus le Christ notre Seigneur. Thank you.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie d'abord notre Dieu le sacrifice sur lequel nous évoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur est avec vous. Préparons notre cœur. Rendons grâce à Dagbo, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une occasion de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père Saint Dagbo, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, Fofo Jésus-Christ, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la Trinité glorieuse et l'unité de nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu nous l'as révélé, nous le croyons parallèlement et de ton Fils par ta grâce. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où notre Seigneur et Sauveur, Fofo Jésus-Christ, a quitté le royaume des morts en tant que vrai Dieu. Nous te prions, Dagbo, sanctifie ces offrandes en répandant sur ta grâce, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, les yeux levés vers toi, Dagbo, son Père, notre Père, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe et les yeux levés au ciel à nouveau, te rendant grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude des Dagbovies qui seront choisis en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
sang du Christ versé pour nous. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils, nous t'offrons d'abord le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par toi-même d'abord en un seul corps. Souviens-toi d'abord, notre Dieu, de ta très sainte Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec ton vicaire et frère jumeau de Fofo Jésus, le pape Christophe XVIII, ses collaborateurs directs des cardinaux, les évêques représentants de ton vicaire dans les diocèses ou non, en particulier ton serviteur Éminence Luc Junior, leurs collaborateurs, les prêtres, les diacres et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois ta lumière auprès de toi, Dagbo, Dieu de bonté et de miséricorde. Sur nous tous, Dagbovi, ici présents, nous implorons ta bonté. En l'occurrence, pour ceux et celles qui ont demandé cette messe, les Dagbovi en général et les hommes du monde entier, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dagbo Dieu Tout-Puissant, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint, à qui revient tout honneur et toute gloire pour les siècles sans fin. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que Dagbo nous a apprise.
Délivre-nous de tout mal, Dagbo, notre Père. Délivre les Dagbovis ici présents, d'ailleurs, des ennemis visibles et invisibles. Délivre-les de toutes sortes de maladies, des maladies incurables, des envoûtements, des mauvais sorts. Épargne-les des accidents mortels, des pièges de Satan et de ses suppôts. Fais-nous la grâce de la santé de l'âme et du corps et donne la paix à notre temps. Donne la paix aux Dagbovis, donne la paix à leur conscience et bénis-les. Bénis toutes leurs activités qui t'honorent, bénis leur famille. Accorde du travail aux chômeurs et la promotion à ceux qui en cherchent. Par ta divine miséricorde, libère-nous de l'aveuglement du péché. Libère-nous de l'endurcissement du cœur et rassure-nous devant nos ennemis, nos persécuteurs, en cette vie où nous avons foi en ta présence et espérons la délivrance et le bonheur que tu promets, ainsi que l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, ceux d'hier et d'aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos infidélités, ne regarde pas notre transgression de ta loi, ne regarde pas nos manques d'amour, nos manques de miséricorde, nos manques d'humilité, mais la foi et l'attachement de ta très sainte Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles sans fin. Que la paix de Dagbo, notre Dieu, soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, dans la charité et l'amour du Christ, donnons-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dagbo, Dieu notre Père, le Christ Sauveur, qui enlève le péché du monde. Dagbo, je ne suis pas digne de recevoir ton Fils, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent et nous guérissent pour la vie éternelle. Achevons notre prière. Puissions-nous trouver Dagbo, notre Dieu, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en toi, Dagbo, Dieu éternel,
comme en ton indivisible unité, fais-nous progresser dans l'unité aux sources du salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, qui est Père, Fils et Esprit Saint, maintenant et pour les siècles sans fin. Je vous salue, Marie. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, l'amour est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et pour vous, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, l'amour est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et pour vous, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Action de grâce. Thank you.
Nous voudrions remercier tous les Dagovis, et spécialement la chorale qui nous a accompagnés durant cette Eucharistie, la chorale à Diogan. Tous les Dagovis ici présents, tous les Dagovis qui nous suivent actuellement à travers les réseaux sociaux et tous les hommes du monde entier qui nous ont suivis au cours de cette célébration eucharistique. Puisse la grâce de Dago, qui est Père, Fils et Esprit Saint, dont nous célébrons aujourd'hui la fête, lui qui est à l'origine et à l'achèvement de notre vie, vous bénir, vous donne davantage de grâce pour passer ce moment difficile pour l'humanité à cause de cette réalité pandémique du COVID-19. Nous recommandons à la miséricorde de Dieu tous ceux qui sont partis de cette vie pendant ces moments difficiles pour l'humanité. Et nous vous demandons de prier. Rien, personne n'est trop loin pour Dieu. Et rien n'est perdu tant qu'on a foi en ce Dieu. Sa miséricorde nous poursuit tous les jours de notre vie. Le Seigneur est avec vous. Que Dagbo, Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bon retour chez vous.